tell them they ain't ready for the mess I bring. Feel the pressure, we set the session and check them in. What's my lament, it's demonic, cause onto better things. You must be thinking it's easy, believe me, settle in. Yo, tell them they ain't ready for the mess I bring. Feel the pressure, we set the session and check them in. What's my lament, it's demonic, cause onto better things. You must be thinking it's easy, believe me, settle in. You must be thinking it's easy, believe me, settle in. Hey. Chipping off and I'm long gone. Looking like you can't see me if you're fishing, it's in the wrong pond. When I stay, we innovate, speak in a rave, got them on one. Assimilate with the rhythm, it's a little realer when I'm on a song done. Hey yo, brag about setting off when I hit venue. See, we always stay hungry, them and I fall, won't check the menu. And when I grip pen, someone up, letting my need a sensu. Been killing it, seen drilling it, beat when I hit them tune, it's done. Tell them they ain't ready for the mess I bring. Feel the pressure, we set the session and check them in. What's my lament, it's demonic, cause onto better things. You must be thinking it's easy, believe me, settle in. Yeah, tell them they ain't ready for the mess I bring. Feel the pressure, we set the session and check them in. What's my lament, it's demonic, cause onto better things. You must be thinking it's easy, believe me, settle in. Ça y est, il va pouvoir faire ses débuts. Aujourd'hui, il y a une très grosse attente, évidemment, autour de ses premiers pas. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Manchester City face au Real Madrid. Oui, deuxième match de phase des groupes dans cette compétition de pré... Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et voilà un jaune très tôt dans le match, l'arbitre s'impose d'entrée. Oui, pour l'arbitre, c'est une manière de... Oui, bien placé là. Oh oui, ce but. Quel geste, quelle reprise de volée, quel golazo. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. La finition du volet est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise de volet. Foden. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Dans le couloir, le Real qui peut avancer. Un peu de champ pour tenter une frappe. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Bien faite la passe de Bellingham. Bien reçue dans le dos de la défense. Oh oui, c'est magnifique. Oh, touché, quel beau but, tout en technique. La souplesse de la cheville qui arrête sa course. Una vaseline par-dessus de la tête et but. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et c'est repris par Manchester City. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton.
Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Coup franc sans application et donc le ballon passe très loin du cadre. Il avait mieux à faire sur ce coup franc. Militao. Et c'est pour Tchouaméni. Oui, la belle incursion là, la conclusion peut-être sur ce ballon. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match! Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! La balle a dessiné une hyperbole au-dessus de sa tête. C'est de l'art et de la géométrie en même temps. Ah, il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais l'écart est immense entre les deux équipes. C'est un match qu'ils ont vite rendu facile. Bien défendu, le ballon est récupéré. Le ballon pour Haaland. Le ballon est maintenant récupéré. Intervention défensive, le ballon en touche. Il y a du soutien en attaque. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Bien joué dans le dos de la défense. Ah, il a bonne prise de balle. Ah, nouvelle occasion ici. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible, et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Et ça y est, c'est la pause, l'arbitre vient. Man City va essayer de réduire l'écart. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Oh, attention à ce ballon. Et le gardien qui écarte bien le danger. Et c'est renvoyé par Ruben Dias. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. On n'arrive même plus à les compter, ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Ruben Dias. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah non, finalement le ballon est perdu. La frappe et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et c'est renvoyé par Walker. Ah, ça devenait un feuilleton cette affaire, mais voilà, c'est fait. Son transfert est confirmé officiellement. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une des pépites du football mondial. Et un changement du côté du Real Madrid. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu essayer de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe en suffisamment. Il peut tenter sa chance. Et voilà, but ! On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal.
Il est furieux, le coach, après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Quelle démonstration, le score est maintenant de 6 buts à 0. Julian Alvarez. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Les 20 dernières minutes. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Cette passe lobée vers Foden. Phil Foden reçoit le ballon. Il y a un coup à jouer là pour Phil Foden. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, bien joué, il efface son adversaire. Ah, Bellingham, il peut frapper. Ah, super geste défensif, sans commettre de faute. Julian Alvarez. Transmission vers Acuña. Oh, ça peut aller au but. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et c'est boxé par Ederson. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Oh oui, la frappe. Et attention à la faute, parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et le contre est possible maintenant. Et c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Et une faute pour Manchester City. La victoire du Real, le coup de sifflet final dans cette rencontre, c'est donc un succès pour les Madrilènes. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent, c'est le plus beau des spectacles. Bien faite la passe de Bellingham. Il peut tenter sa chance.